Dinor, CDF. Attention, lance grenade. Et bien, salut à tous et à toutes, c'est Tina, c'est Dave, de retour pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci je suis là pour vous présenter l'épisode numéro 7 de World Building. J'espère que vous allez tous très bien les gens, et cette fois-ci on se retrouve donc pour cet épisode numéro 7 de World Building. J'espère que vous allez tous très bien. Et donc on se retrouve, non, le mec, il va pas arrêter, donc on va appuyer tout de suite sur le bouton jouer, et puis nous allons tout simplement jouer, tant qu'à faire. Donc on est là pour, dans l'épisode précédent, on avait vu le canon de l'île flottante, on avait vu l'île flottante et tout. J'ai toujours pas eu vos retours par rapport à cette map, voilà. J'ai toujours pas eu vos retours par rapport à cette map non plus, donc voilà. Que vous avez déjà d'ailleurs, mais à mon avis je vais déjà les avoir. Pour moi j'ai toujours pas eu, parce que je tourne en avance par rapport à... voilà, mais bref, vous avez compris quoi. Je les aurai dans tous les cas au moment où cette vidéo sortira. Parce que là, on est samedi pour vous, si je dis pas de bêtises. Et pour moi, on est samedi... Non, on est dimanche. Mais de la semaine d'avant. Lol. Bref, vous inquiétez pas, je gère mon emploi du temps comme je peux. Alors, on va continuer le flottant, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah non, en fait, non. Nickel, on va rester comme ça. Ce que j'allais dire, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à l'upload, si jamais vous voulez que je tourne juste avant l'épisode, mais pour moi c'est plus facile de tout tourner les épisodes de la semaine en même temps et de tout upload le week-end, c'est ça. Donc voilà, donc on avait vu que le canon il tire parfaitement bien, d'ailleurs il a fait un gros trou là-dedans, et j'ai essayé de réparer comme je pouvais, donc voilà, j'ai mis de la terre, et ensuite de la pierre. Vous pouvez voir que les deux boulets sont atterris ici et que ça commence déjà avec un joli petit quipples. Dégage. Donc bien sûr, les règles sont simples. Il n'y a pas très compliqué. Vous n'avez pas le droit de descendre de l'île, forcément. Après, si vous spawnez en bas, bah, vous remontez en haut et vous n'avez pas le droit d'y descendre. Le but est de survivre donc sur cette île et vous n'avez pas, le droit de vous faire un pont jusque là-bas pour survivre ici. Parce que le canon, forcément, il vous a pas dans sa ligne de mire, hein, donc il pourra pas vous tirer dessus. C'est ici qu'il faut survivre, sur cette île. Après, vous pouvez voir que les TNT, ils ont pété ici. Donc vous pouvez très bien survivre sur ce coin de map. C'est possible. Après, tout dépend de l'intensité du canon, il va tirer plus loin, moins loin, ça dépend. Donc vraiment, moi je dirais, pour être à l'abri, pourquoi pas se mettre sur les côtés du canon, genre ici, ou alors au niveau de l'eau. Même si il touche. Hein. Ça dépend. C'est pour ça d'ailleurs j'ai mis deux TNT pour que ce soit plus puissant les explosions. Donc là j'ai remis un peu d'animaux, j'ai mis une vache en pis. Je vais tout de suite vous mettre... Regardez ça sous vos yeux ébahis. Ça. Vous allez dire, mais c'est quoi Tina, qu'est-ce que tu nous fais là? Voilà, ça c'est un piège à con. Voilà, j'appelle ça un piège à con parce que généralement j'enferme les abonnés qui me font chier dedans. MDR, le mec, le gros bâtard. Non, je rigole. Ah, l'enculé. Il m'a trolling. Voilà. Et bah, c'est moi qui le troll. Voilà, bon, il nous donne du steak. On va acheter ces trucs à lui. Donne-moi du steak. En fait, là, je vous explique ce que je suis en train de faire. Je suis en train de le faire jouir. Comme ça, lui, il va pouvoir ensuite me donner... Alors, je déteste la pluie quand je suis en créatif. C'est un truc de dingue. Donc, voilà. Là, je suis en train de le faire jouir. Donc, en achetant tout son... tout ce qu'il vend, en fait. Je suis à moitié en train de le faire... hurler de plaisir pour qu'il... Génial. Ah, il y a mon frère qui vient d'arriver. Mon frère va passer dans un épisode de World Building. Aïe. Ok, ça dit bien quoi? Ça gère. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Je tourne un épisode d'une série.
T'enregistres ou là? Ouais. Ah bah merde. Eh, tu dois payer hein, pour procéder dans ma vidéo. Il voit pas le geste. Non, il le voit pas, je crois qu'il l'entend. Je vais me dire. Je suis en train de le faire jouir pour lui donner. Pour qu'il me donne des trucs en plus. Faire quoi, jouir? Ah ouais. Ah, c'est comme ça que j'appelle ça en fait. C'est quoi des préliminaires? Je sais pas. Je lui achète le dernier truc à fond, jusqu'à temps qu'il disparaît. Comme ça, bah, il va me donner un nouveau truc après. Tu vois, il a apparu ça. 21 charbon. Ah, pour avoir plus de trucs dans... Pour qu'ils nous vendent plus de choses, en fait. Et c'est une map que j'ai créée, comme ça, en fait. Là, ils vont devoir... ils seront sur l'île. Ils vont devoir survivre, faire leur survie normale. Comme tu peux voir, bah, l'île est dans le ciel, forcément. Donc, ils ont pas d'accès au sol. Et au bout de... Je crois que je vais mettre 10 minutes. T'as le canon qui est là, qui va leur tirer dessus. Sortir. Je vais faire actuellement le. Il lance quoi? Des TNT. Allez. Ah, c'est le même canon qu'on avait vu en bol quand t'étais venu. Sauf que je l'ai refait en haut. Et il tire sur lui cette fois-ci. Ah, ouais, Nico. Et je vais faire le timer là. Comment je vais faire ça? Alors ici je vais mettre ça. Et ici je vais mettre un piston collant qui va pousser une pierre. Et au bout des 10 minutes, donc une fois que les 10 minutes sont écoulées, le piston va se faire activer. Et ça va venir ici en fait. Et ça va activer le canon. Attends. Je termine ça puis je vais arriver. Alors, on va faire le générateur. Alors par contre, je suis désolé mais ouf. Ça me fait chier de le tège. C'est pas grave. Il y a quoi pas faire du bruit, c'est de sa faute. Alors, on va faire le générateur. On va tourner ici. Et on va aller par ici. On va faire genre un truc comme ça. Alors, il sera plus ou moins rapide par rapport au truc. Hein. Je sais pas exactement. Là, il sera rapide. Par rapport à l'autre canon, il sera rapide. Et j'hésite de le faire trop rapide. Je veux pas le faire trop rapide non plus, sinon il va auto-exploser. C'est quand même pas le but principal de cette map. C'est quand même qu'il vous tire dessus. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je suis en train de faire le générateur. On va mettre ensuite dans les hoopers. C'est un petit peu le système d'une cloque. Sauf que la cloque sur deux blocs, elle va se faire sur... Bah, sur tous les blocs, en fait. Et je crois que... C'est OK. Donc, normalement, si je fais ça, la lampe va clignoter. Et selon le taux de clignotement, bah, ça va activer ou pas le canon. Tu go. Moi, c'est... c'est les notes que j'ai claquées. Non, trois. Il y en a une qui est partie à la poubelle. Bah, allez, tu fais quoi, Isolo? Tu vas la couler? Non, je vais mettre la poubelle aussi. Et j'ai pas le trou. Alors. Bon, ton sac est pris.
Ouais. Mais on n'est pas lundi. On est vendredi dimanche. Ah, comment il a trop cru que c'était bon. Ah non, je suis au régime. Genre. NDR. Trop fort. Bah si, je fais la route là. NDR. Tu viens d'arriver, t'es déjà reparti? Jordan! Ah, alors. Merde, non. Non, c'est bon, en fait. Jordan! Il est ici, tonton. Ah oui, l'entonnoir, il est revenu ici. Quand on peut mettre ton entonnoir, on va mettre un œuf. Jordan! Viens voir tonton! Viens voir mon loulou. Jordan! Viens voir tonton. Bah, qu'est-ce que ça dit, bien ou quoi? Toi descendre. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être un tout, je vais couper le courant pour. Ah ouais. Vas-y, bah je vais arrêter. Il veut non. Oh bah les gars, je reviens. Le dire. Non bah je sais pas. Après je peux le faire avec le. De quoi? Non, bah je vais arrêter là, c'est pas grave, ils auront un épisode plus court. Non, vas-y, continue. Pourquoi? Attention, non, je vais arrêter là. Hein? Je vais arrêter, c'est pas grave. Ouais, continue. Je t'arrête dans 2 minutes. 5, 4, 2. Non, ça va aller, merci. Non, mais continue. Continue? Ouais, ça me dérange pas. Hein. Continue à t'abrutir. Lol. C'est pas pour moi. Ok. C'est que Matino. Alors, Qu'est-ce que tu fais, Jordan? Oh, tu veux te battre? Fouchi! Fais gaffe qu'il descend pas les escaliers tout seul. Non, t'inquiète. Je le garde là. Hé, hey, Jordan, tiens, prends une manette. Tu veux jouer? Allez, viens, on fait une partie. Ah! Alors, le timer, on va le faire comme ça. Ouais. Vous avez de la chance, franchement. Ça, c'est pas la classe. Vous avez un commentary de Tina CDF et de son neveu en même temps. Franchement. Bon, il n'a pas encore de pseudo pour l'instant. Trop chou. Alors. En sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez ça. Une toile d'araignée, c'est bah, le temps que l'item y descend, ça fait 30 secondes. Exactement. Donc, on va mettre exactement 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. On va mettre 4 minutes 30 même. On va bien vérifier que c'est possible. On va mettre 5 minutes. On va vérifier que c'est possible. Donc on va attendre que la toile d'araignée descende tout en bas. Et puis voir si ça active ou pas la lampe. Ou alors voir si l'item disparaît avant. Voilà. On va construire la structure du timer tout de suite, comme ça sera fait. Donc tout en haut nous aurons un distributeur qui va tège le truc de dingue. Oh, et mon neveu il est à fond dedans. Oh putain, truc de dingue. Alors par contre je sais pas. Parce qu'il va falloir l'activer le timer quand vous allez commencer la survie. Mais je sais pas comment vous allez arriver là. Donc est-ce que vous l'activez dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'activez Ah ouais, non, vous pouvez pas. Bon, c'est pas grave. Je
Je sais pas, je vais peut-être faire passer un truc en redstone jusque en haut là. Mais si je fais passer un truc, vous aurez un moyen de relier les deux. Je sais pas comment je vais faire. C'est pas à voir. Alors déjà, on va prendre une potion de vision nocturne. Allez, là, la toile d'araignée. Elle a déjà passé donc dans 5 minutes. Bon, ouais. Même pas 5 minutes, elle sera à nous. Alors, on va continuer le timer. En attendant. Donc, le timer va être très simple. Le temps que ça descend. Une fois que ça sera tout en bas. Faire pour éviter de saquer la toile d'araignée de là. Ce serait con sinon. J'aurais pas l'air bête. Voilà, donc voilà, ça va activer ce répéteur qui va pointer sur ce bloc, qui va désactiver la torche de redstone qui sera ici, qui va elle-même donc se désactiver forcément, tant qu'à faire, et qui va forcément, attendez que je dis pas de bêtises, voilà, qui va désactiver en pointant ça là, qui va désactiver, attendez. Je peux même le pointer sur un bloc, ce sera quand même mieux. Le pointer sur le... Alors, quand l'item sera descendu tout en bas, donc au bout de 5 minutes, c'est ça, hein ? Bah oui, c'est ça. Ça va activer la plaque de pression, qui va activer le répéteur, qui va activer le bloc, qui va désactiver la torche, qui va désactiver donc forcément le courant de redstone, qui va désactiver donc ce répéteur, qui va désactiver ce bloc, qui va laisser passer l'œuf et... qui va tirer forcément avec le canon et qui va vous saboter. Avec plaisir, je vais vous dire. Je pense qu'il va s'en donner à cœur joie. Voilà, donc j'aurai juste à relier, donc à mettre ça ici. Voilà. Et puis la map elle est en fait terminée. Il est là. La toile d'araignée elle est là. Donc à voir si elle fait ou pas. Voilà, là en fait on n'a pas grand chose à faire à part à attendre. Alors, qu'est-ce qui se passe Jordan? You? Non, c'est pas vrai. Raconte toutes tes misères à tonton. J'ai genre peut-être 2 minutes à... On va attendre et puis on va s'arrêter là. Voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Putain, il y a du monde! Et juste pour le village où il y a 3 zombies, il y a 4 spiders avec un joker, il y a... Oh putain! Oh putain, c'est quoi ce bordel? C'est le mortel. MDR, je sais pas, est-ce qu'on... Ouais, je crois qu'on va éclairer. Alors, je vais vous faire une petite lanterne. Alors, attendez, ça pourra vous aider en plus au niveau de la redstone. Vous aurez ça en plus dans vos acquis, pour ceux qui savent. C'était un lampadaire qui était fait sur Redcraft. Et qui, d'après moi, a bien fonctionné jusqu'à maintenant, donc on va le faire là. Oh les bâtards, ils m'ont flingué mon villageois. J'y crois pas. Alors, 1, 2, 3, 4. Donc le piston à l'envers qui vient ici. Avec le bloc 2 au redstone. Pourquoi ? Dans le coffre. Il y a un sac de frappe, tu peux le ramener. Bon, pour mettre où? Ici. Ici? Ouais, mais tu veux l'accrocher sur quoi? Sur la poutre. Ça va tenir? Ouais. Non, je suis pas... Pour peu que je le touche sur ma gueule, ça va aller, merci. Bon, c'est pas mon problème. Le matin. Oh, mais ça va aller, tu peux le garder. J'ai bientôt terminé. Tu vas chercher ? Ouais. En même temps, on va boire un coup et on va aller bientôt. Ouais. Bon, c'est pas que vous me faites chier les gens, mais moi je vais. On va se laisser là, moi je vais manger du gâteau. Ouais, j'avoue. Je vais aller m'engraisser.
Et vous pouvez voir que ça n'a pas encore... Il est où ? Ah, il a disparu. Donc on va voir ça dans l'épisode prochain. Bah, je vais voir la map pour plus tard. Oui, moi. Du thé, s'il te plaît. Alors ça dans le prochain épisode, parce que là je suis un peu pourri par le temps. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce vert. Si jamais vous avez un commentaire à me faire passer, n'hésitez pas à la barre des commentaires. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. Puis sur ce, bah, moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Salut.